Maintenant, nous ouvrons la Bible, nous là. Psaume 108. Psaume 108, verset 13. Psaume 108, verset 13. Psaume 108, verset 13. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le rocher des siècles, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour tes multiples bienfaits. Ta présence, Seigneur Dieu, est nécessaire et tu étais là ce matin, dans cette église, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit était là. Ton peuple t'a adoré, Seigneur Dieu. Nous t'avons loué, nous t'avons chanté des cantiques. Et en ce moment, Seigneur Dieu, tu vas parler au cœur de ton peuple. Nous te demandons, ô Père Céleste, de préparer le peuple pour recevoir ces paroles. Et que ces paroles tombent dans une bonne terre pour qu'elles portent fruit dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, dans la vie des internautes, Seigneur Dieu. Ainsi, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Faut nous mettre confiance, nous, dans bon Dieu, non pas dans l'homme. Il faut se confier en Dieu, non dans l'homme. Mettez confiance en l'homme, mon Dieu, pas mettre confiance en l'amour. Mes chers amis, bon Dieu que nous avons servi, c'est un bon Dieu qui condamne les gens qui mettent confiance en l'amour. Et pourtant, le bon Dieu gagne pour le délivrer nous. Le bon Dieu gon bagaille pour le faire pour nous. Il ne pas descendre dans le ciel là. D'ailleurs, qui est-ce qui est bon Dieu déjà? Ou priez bon Dieu. Et bon Dieu, souvent, utilise moun pour le retirer au l'ensoyer. Mais bon Dieu, il ne pas voulait qu'on mette confiance au moun. Livlé qu'on mette confiance en lui. Il faut mettre sa confiance en Dieu qui utilise des hommes pour nous délivrer. La Bible nous dit que Dieu est jaloux. Il ne veut pas que nous mettions, que nous placions notre confiance dans l'homme, mes chers amis. Parce que l'homme l'y changeait à tout moment. Mes chers amis, David, le roi David, et c'est David qui écrit son ça, et là il arrive, et puis il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. David fait un pile expérience en ville. Le Seigneur a promis à David le trône d'Israël. Mais David a passé plus de 13 ans, 14 ans dans le désert avant de voir l'accomplissement de cette promesse dans sa vie. Lorsque Dieu nous fait une promesse, nous n'allons pas voir, mes chers amis, rapidement l'accomplissement de cette promesse. Nous allons voir d'abord le contraire de cette promesse. Et quand nous voyons le contraire, nous ne devons pas nous décourager, mais continuons à placer notre confiance dans le Seigneur, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. David, lui mettait confiance lui dans bon Dieu. Mais elle n'a pas au cours David, parce que la Bible nous dit que les hommes qui étaient dans la Bible, les personnages de la Bible, étaient des personnes comme nous. Ils n'ont pas de Dieu. Ils n'étaient pas des dieux. David a connu beaucoup de découragement.
David a connu la dépression. Et à un moment de la durée, David a même douté de Dieu. Et David a connu la trahison. Parce que David, durant son parcours, il avait placé sa confiance dans un homme. Et puisque cet homme l'avait trahi, et c'est la raison pour laquelle, dans ce psaume, il a dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Nous pouvons comprendre, mes chers amis, nous pouvons comprendre ce qui est arrivé à David. Parce qu'il a dit, dans le psaume 41, verset 10, il est écrit, David a écrit, « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » David a été trahi. Regarde ce que David a dit. « Celui avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance. » Qui veut dire que David avait placé sa confiance dans cet homme. Mais celui-là, il l'a trahi. Cet homme-là a trahi David. Et c'est la raison pour laquelle David a fini par conclure que le secours de l'homme n'est que vanité. Mes chers amis, peuple du Seigneur, peuple de l'Église de Dieu, des premiers chrétiens, lorsque nous faisons face à des problèmes, lorsque nous faisons face à des détresses, Dieu va utiliser des hommes pour vous aider. Bien sûr, il faut être reconnaissant lorsque Dieu utilise un homme pour vous secourir. Il faut être reconnaissant. Pourquoi? Parce que cet homme que Dieu a utilisé, Dieu a trouvé son cœur pour vous aider. Mais lorsque cette personne vous a aidé, nous ne devons pas prendre cette personne pour Dieu. Des fois, l'homme on aide, côté le fini de là, ou tout coller avec elle, ou tout marrer avec elle. Qu'on a n'importe qui bagaille ou gagne, c'est mon nom, ouais, pas fait ça. Pas fait ça. Dieu, il est jaloux. Lorsque le problème c'est mettre genou à terre, sous un sac, la gueule corps sous sac là. Priez mon Dieu. Ou pas besoin de frapper pour tout le monde. Mais le ciel va le frapper pour tout le monde pour vous, pour venir côté vous. Et bon Dieu, pour le montrer au grand œil, quand nous regardons le monde, quand nous visons le monde, quand nous regardons le monde sous apparence, ou dit c'est le monde ça, bon Dieu a pu utiliser. Et pour nous confondre, nous, bon Dieu, quand nous utilisons le monde qui n'a pas même la vision, qui n'a pas même sous route, nous, c'est pour nous dire que c'est de l'éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Cherchez à mettre votre confiance en Dieu. Lors d'un problème, rentrez dans la chambre, priez, chantez des louanges pour que le Seigneur capable agir pour vous. Dans la parole de Dieu, il est écrit dans le psaume 118 verset 8, il est écrit: mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Quand on met notre confiance, quand on met Dieu en premier, bon Dieu a pétonné où? L'homme était bon Dieu en premier, bon Dieu a pétonné où? Lorsqu'on a un problème, pas penser à maman, pas penser à papa, pas penser à voisin. Mettez à genoux, dit Seigneur, mes problèmes là devant. Changez que c'est non, moi j'ai en bouche moi. Si me sorti honte, c'est non qu'à prendre. C'est ça. Agis foi, frère, sœur. Agis foi. L'homme était bon Dieu en premier, l'a étonné. Et bon Dieu tellement grand pour le montrer puissance lui, pour le montrer force lui. Le bon Dieu a délivré, bon Dieu ça a utilisé moun. Et bon Dieu ça qui pas vouloir mettre confiance dans moun, l'a pétonné.
Et pour le capable étonner, qui ça bon Dieu fait? Des fois, moun qui raillent ou là, moun qui comploté contre ou là, moun qui parle ouais ou là, moun qui t'a remis malheur là, pour bon Dieu montre puissance li, li kan utilise même moun ça pour le faire bien. Les moun nan fin font bien, même li saisi, il m'a dit qui j'en fais faire. Et c'est pourquoi il a dit dans la parole, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve, quand Dieu nous dit approuver, qui veut dire que vous marchez dans la sanctification, vous marchez dans l'obéissance, vous respectez la parole de Dieu, vous vous conformez à la parole de Dieu. Et dès que nous nous conformons à la parole de Dieu et que nous prions, Dieu peut même utiliser nos ennemis pour nous bénir. Car il est Dieu. Le sage l'a écrit ça. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Pour qui ça sage là dit ça? Dans Proverbe 16, 7, les bon Dieu approuvé au monde, l'utiliser ennemi pour le bal passer. Normalement, un ennemi, c'est celui qui nous obstrue le chemin. C'est celui qui crée un obstacle, qui ferme la porte pour que nous ne passions pas. Mais le Dieu est tellement puissant, il utilise l'ennemi pour nous ouvrir une porte. Le sage l'a dit ça. Où est-ce que ça sage l'a songé? C'est l'histoire de David, oui. Il a changé l'histoire de David. Et ça fait l'elle songer l'histoire de David là. Il dit, bon Dieu, vraiment, quand on utilise l'ennemi. Le David, bon Dieu, mettait le sous trône là. Mais David, t'es l'on parti dans le pays. Il pote quoi tout Israël. Il était royaume parti. Et bon Dieu t'a dit que ma foi tout Israël. Qui veut dire que si David roi un seul bon, promesse là pour qu'on finisse accompli. Qui ça vient nous passer? Dans l'autre partie, tu as un général de Saül. Il y aurait l'île Abner. Les Saül mourit. Abner déclaré que il pas bail David. Royaume nan. Li pa bal l'autre bout royaume nan. Abner dit la kembe pour Saül. Et Abner râlé. Yon petit Saül qui est Ibochet. Et puis il dit Ibochet, c'est où qui wa. Qui veut dire Israël séparé en deux. Gon parti, c'est David qui wa. Gon l'autre parti, c'est la famille de Saül qui wa. Et Abner, c'était un chef de l'armée Saül qui était très fort et qui était ennemi David. Parce que s'il pas ennemi David, il t'a baillé David l'autre partie royaume. Et puis il kembe ferme et puis il dit Ibochet, mettez garçon sur vous, quand tu as pour David vin là pour le vin noir, c'est soit jamais. Mais ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, sa main l'accomplira. Mes chers amis, les bon Dieu décident de bagaille pour vous. Pas qu'en prendre face, non? Parce que, qui ça la parole dit où? Dans Esaïe 43, verset 4. Je donnerai des hommes à ta place. Les lois arrivent pour bon Dieu passer à vous. N'importe monde qui campe devant vous. Bon Dieu, avait facile. Vous avez facile. Et puis, Abner qui est de femme. Pendant ce temps, David, l'autre bois, David commençait à prier, continue à prier, parce que là, il y a un accomplissement pour mes là. Et qui s'accroît à le gagner, mes chers amis? Mes chers amis, bon Dieu, pour le péter, un compte. Bon compte. L'Éternel, là, pour le faire bagaille pour vous, il pète une confusion, dans le temps même monde qui raille. Il fait même ennemi en vient de parler de où? Bon compte qui pral pété entre Abner avec Ibochet. Pour qui ça? Une question femme. Pas banal. Ça gen Abner, il prend une femme, Saül.
Et puis Ibochette sentit pas bien, il pas normal, bon c'est lui qui voit. Il relé Abner, il dit Abner, pour qui ça ou elle prend femme papa maintenant? Pour qui ça ou elle prend Rispa? Mes amis, ça seulement Ibochette dit Abner, Abner nevé. Abner dit ou pas manqué pas fréquent. Hein? David t'a pété fiel ou? David t'a touillé ou pour venir prendre royaume nan? C'est moins kembe pour ou? C'est moins fort qu'on y a pour trouver permet ou? Ou a venir reprocher parce que m'prend une femme ou fréquent en pile. Et puis Abner s'est menté. Il dit regardez, si m'pa bay David royaume nan, konnen yo pa rele m Abner. Et ça pire là ennemi en kan professionnel. Abner konnen mon Dieu dit. C'est David qui pouvoir oui, malgré ça la goumé oui à mon Dieu. Le nous lit dans 2 Samuel 3 verset 9 10. Abner Campbell dit 2 Samuel 3 verset 9 et 10. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Qui est-ce qui a parlé là? Abner. Abner dit, c'est ça l'Éternel te dit, oui, la balle royaume. Non, oui. Et puis Abner campé red, oui. Il dit le pape Bailin. Qui veut dire Abner Abouma, mon Dieu. Mais bon Dieu joint une confusion. Il joint une stratégie. Il pétonze. Il péton confusion. Il péton compte. Et puis Abner dit c'est fréquent. On pral pote royaume nan bay David. Et effectivement Abner levé la pote royaume nan. Qui ça? Qui est Abner teye? Abner était l'ennemi de David. Qui a apporté le royaume à David? L'ennemi de David. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Gardez gain de déception qu'on a subi, gain de honte qu'on a subi. Bon Dieu, quitter au prend honte là, c'est pour capable gagner un témoignage. Bon dernier soufflette, faut prendre même pour capable exciter la colère de Dieu, pour capable exciter la jalousie de Dieu, pour capable exciter la toute puissance de Dieu pour le péter porte là. Parce que mon Dieu aimé, lorsqu'arrivé dans une situation difficile, mon a pris ou pendant mon a pris ou ennemi a pris ou l'Éternel même l'a pris ennemi ou yo, parce qu'elle connaît le palmetto sous tête yo. Mes chers amis, c'est bon Dieu pour bailler gloire. Il y a des gens qui là qui mettent confiance dans le monde drop. Ou garde monde drop. Seigneur a dû suspendre garde monde. Tic 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 là pour prendre téléphone. Après raconter, l'on raconte quoi ça? C'est ça faut mettre dehors. C'est ça faut mettre dehors. Moi, j'ai connu beaucoup de difficultés dans ma vie. On a pile de difficultés. Mes famille madame moi, yo connais millionnaire, on connaît pour ça? M'a jamais frappé porte youn. Ni relé youn pour me dire mes problèmes maintenant. C'est genou. Lors prend genou, bon Dieu mettez moun sur tout. Lors prend genou, c'est moun qui vient offrir ou pas le mandé. D'ailleurs un chrétien ou pas le mandé. Lors de confiance dans mon Dieu ou pas le mandé, c'est moun qui pote baou. Et là au pote baou, il y a pas devant, tant prie s'il vous plaît, prends ça pour moi. C'est mettre confiance ou dans mon Dieu. Ou est mon Dieu tellement grand? Dans la vie ou gon promesse, mais bon Dieu avant d'arriver dans promesse là avant ou gon parcours. Et pour moun pas joindre une gloire chaque saison dans la vie ou bon Dieu utilise un moun. Chaque saison li place un moun sur tout. Les missions moun ça a fini ça le fait, il retirer le. Li voyer l'aller ou te mettre confiance ou là où l'regarde ou elle en lit l'regarde ou c'est même moun sa capedo li lever contre tout
Et puis il faut aller. Là quoi ça pas fatigo. Dis dans cœur mission ça a fini lui-même. Pour bon Dieu pas joindre pour monde pas prendre gloire bon Dieu. Ça bon Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. Il utilise des hommes à chaque saison, à chaque moment. Les mouns a fini, mission fini, li voye l'aller. Si c'est pas où qu'aller, c'est moun nan voye aller. C'est moun nan font bagay qui mal, li voye aller. Les gros ça pas plein. On dit que mission fini. Mission ça a fini, bon Dieu pral utiliser l'autre moun. Ou konn pour qui ça bon Dieu utiliser plusieurs moun, c'est pour moun kap edo la pour pas prendre tête li pour Dieu. Pour pas connaître li Dieu. Toujours honorer mon Dieu, servir avec elle. Mes chers amis, lorsqu'il y a un problème, portez honte yo, bye mon Dieu. Lorsqu'on va chercher secours l'homme, ou pas combien honte ou prend, ou pas combien soufflette ou prend, mon n'a gagné le doule, pas gagné, pour qui ça? Parce que ou allemand dit. Il y avait le roi d'Israël qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias était sous la menace de la Syrie. Et conseiller te dit wa, puisque la Syrie a menacé Ézéchias et nous pas gain assez force, on a fait une alliance avec l'Égypte. On a fait une alliance avec l'Égypte pour nous capables de combattre la Syrie. Où est-ce que conseiller dit Ézéchias? Pour aller faire alliance avec l'ennemi encore. Et pareil qui dit oui, moun qui t'a humilié là. Lors d'un problème, côté même moun ça. Même moun ça pour le mando, côté bon Dieu là. Même l'enquête là pour côté bon Dieu là. M'abdou gen des difficultés ou à passer. Kembe tête ou haut. Si son sel pour mettre la langue, mettez en bas la langue. Seigneur, pap qui t'a mouri. Mais gen des moun ou pas allemandé. Gen des moun ou pas allemandé. Sou allemandé, c'est ou kap sorti honte. Li pral allemandé au côté bon Dieu là. Ézéchias décide pour y aller faire alliance avec l'Égypte. Qui veut dire Ézéchias, roi d'Israël, au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de mettre à genoux, au lieu de relayer tout salmis qui est en Israël, pour y prier le Seigneur, pour y diriger vers le Seigneur, pour y tourner face vers le Seigneur, qui ça, monsieur, fait, lui tourner face vers l'homme. Et puis, tendez ça, bon Dieu dit, Ézéchias, dans Ésaïe 31, verset 3. L'idylle, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Que dit le Seigneur? Il dit, l'Égyptien est un homme. Cheval, yo, c'est chair, yo, pas esprit. L'envie révèle l'homme pour comprendre. Li ka aide yo, protecteur là, l'a tombé. Et ou même kap chache protection, hein, ou a tombé tout. Et nous tous les deux à périr. Il faut chercher la présence de l'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel vous dit ce matin, mes chers amis. C'est ce message. Chercher la présence de l'Éternel. Frère Sam, lorsque bon Dieu m'abdouli, li aider, li servir au monde pour capable aider ou. Pas prendre moun ça pour bon Dieu. Fais bon Dieu confiance, mes chers amis. Fais bon Dieu confiance. Ézéchias t'a subi la honte parce que Ézéchias te viré regard vers moun, vers l'homme. Israël tout, li subit honte
parce qu'elle virait regard vers l'homme. Israël a cherché secours l'homme. Et bon Dieu dit dans Lamentation 4 verset 17, le Israël virait vers l'homme. Dans Lamentation 4 verset 17, pays, le Seigneur dit, nos yeux se consumaient encore et nous attendions, attendez bien oui, et nous attendions vainement du secours. Et peuple là oui, nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous a pas délivrés. Peuple l'a dit, regard te fixé sur moun, sur un peuple. N'a pas tant de peuple la vini de nous, mais yo pas vini, yo pas délivré nous. Gede le l'homme était confiance sur l'amour. Bon Dieu qui prend que moun sa li virer moun sa kontou. Li virer moun sa kontou parce que Dieu est jaloux. Il faut se tourner mes chers amis constamment vers Dieu. Lorsque vous êtes dans la détresse, il faut se tourner vers Dieu. Lors virer vers bon Dieu, lors garder bon Dieu bénit. Lors mettez confiance sous l'un bon Dieu bénit. Et c'est peut-être sa parole l'a dit, mes chers amis. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Mes chers amis, c'est l'homme mouillé. N'a toujours gagné tendance pour nous tourner vers l'homme. Parce que nous sommes l'homme. Non? Que des problèmes ou gagné. L'homme ne prie pas ouais, ni devant ni derrière. De. Mais l'homme garde ouais, le monde devant. Où est-ce qu'il faut dire un bagaille? Où est-ce qu'il faut raconter une histoire? Garde Kembe. Kembe, pas raconter mon problème. Finou fin raconter problème dans bay bon Dieu, pas le raconter mon problème. L'homme fin raconter problème dans bay bon Dieu, ou elle raconter mon c'est d'où dit bon Dieu pas capable. Quittez ces bon Dieu qu'elle raconter pour vous. Quittez ces bon Dieu qu'elle fait publicité pour vous. Nous changer lorsque mes chers amis, bon Dieu voyait Samuel à la caille Isaïe. À la caille Isaïe pour la chercher et choisit le prochain roi d'Israël. Lorsque Samuel arrivait à Isaïe, Isaïe cherchait tout bon petit lio. Ça bien paraît yo. Et puis il portait le bail Samuel. Mais Samuel ouais premier petit là. Samuel gardait son apparence. Il dit sûrement c'est le prochain roi d'Israël. Et puis l'Éternel dit non Samuel, ou garder sous apparence, garder dans cœur, mais même moins garder dans cœur. En pile des fois mes chers amis, nous garder moun sous apparence. En pile des fois, n'a pas tant mon Dieu vienne parler avant, ou tant nous gros bishop. Si bishop là vienne parler, eh bien l'Éternel qui a utilisé bishop là. Et puis dame qui a fait ménage dans l'église là, si c'est lik pour ton révélation ba ou a chouté parce que bon Dieu pas qu'à utiliser. Mais oubliez que l'Éternel dit j'utilise les choses folles du monde. Les choses faibles pour confondre les grands. Des fois bon Dieu qu'a utilisé un monde qui pas gain apparence pour le palavor. Mais puisque vous gardez monde sous apparence, ou perdu bénédiction. Toujours tant de monde, toujours tant de monde. En pile des fois, nous avons une révélation pour bishop. Nous avons une révélation pour nous prier qu'à un tel. Nous avons une révélation pour nous prier qu'à ce un tel. Parce que ce un tel a de l'argent. Ce un tel a de bagaille. Il y a une crasse. L'enfin prier, il y a un morceau de pain. L'enfin prier, il y a une machine. Il y a une copie machine. Nous avons prié, nous avons vendu prier. Mais on sait dans l'église là, il est malade, pas jamais bon monde galoué. Nous gardons les gens sur apparence. La fête a commencé. David derrière l'a gardé bête. Et puis fête là dans la caille Isaïe. Les tout le monde fin passé net. L'Éternel dit Samuel, et pas yon nan yon, non? Pendant ce temps, David derrière l'a gardé bête, l'a prié. L'a gardé bête, l'a prié. Et puis Samuel dit Isaïe, ou pas mon dernier petit?
C'est là ça, ils a changé. Ah! Mon petit dernier, oui. Il est à la date bête. Et puis c'est là ça, il relé David. Garde l'orgue faveur, bon Dieu. Il n'y a pas oublié. Mais bon Dieu, pas oublié. Pas ton bagage. Il n'y a pas retiré non dans l'isla. Bon Dieu, rien d'elle. Parce qu'elle ne peut pas le mettre dans une situation pour obliger à remettre dans l'isla. Faites la qu'a commencé sans vous, mais elle pas qu'a fini sans vous. Parce que tu es un choisi de Dieu. Bon, je vais une dernière illustration pour me finir. Une histoire biblique. Léo fin ouin David comme moi. La parole dit que David pas rentré dans le palais directement, non? La loi, non? Yo fin ouin comme moi. Il faut rentrer dans le palais, mes amis. Yo ouin comme moi. David retourne à regarder bête encore. Et bagaille pour ta griner dans son monde. Bon, gardons moi, monsieur. Pour qui ça yo ouin, monsieur là? Yo ouin pour la diriger bête, yo. Quand un frère doit passer David dans tes terres. Bon, au fin ouin, monsieur, même si elle regarde bête toujours. David retourne sous deux pieds. Sous deux genoux. Il continue à prier. David parle faire des marches contre moun. Contre moun dans palais. Bon, David pas tant rien. David pas personne. Quand elle parle jouer moun, pas parler avec dans palais. Pour parler de lui dans palais. Gardez David rester sous deux genoux. La Bible pas dit nous combien de temps le David fin ouin comme moi. La Bible pas dit combien de temps David passait derrière bête là. Avant d'entrer dans le palais. Mais l'heure est arrivée, les jours a sonné, ou pas besoin de faire publicité. Pendant le chemin, ou à genoux, ou à demander bon Dieu, parler pour vous, bon Dieu a voué les anges pour vous, à parler de vous à un monde. Vous connaissez, pendant David, des bêtes là, et puis Saül, bon problème. Bon Dieu là, bon mauvais esprit sur ça. Parce que bon Dieu c'est mettre il a créé problème pour le cabal c'est vite le passé. Il quand créer problème là quand ennemi pour le cabal passé. Et puis ça il vient mon mauvais esprit. Et puis on nèg en dedans parler. Mes amis en dedans parler, valait monde qui quand chanter. Valait monde qui quand adorer. Mes amis dans parler oui, en Israël, charger salmis oui. Mais nèg là dit monsieur, gardez bon Dieu avec lui. Fais pas ouais l'autre moun yo. Mais changer. On connaît qui kan chante bien oui mon wa. Il dit qui est lié. Qui pas dans parler non. Mais son nèg qui gonction oui. Sou gen la bon oui. Et puis ça il dit al chercher pour moi. Mais qui Jean David rentré en dans parler. Il pas fait ken démarche. Saint-Esprit fait démarche pour lui. Ange Gabriel al parler pour lui. L'ange Gabriel dans la Bible, te gen trois anges dans les cieux. Gen yon ki chite. Te gen Lucifer qui était responsable de la culture, qui était responsable de l'adoration, qui était responsable de la musique. Deuxième ange qui te gen, pour qui gen kounya là, ou gen Gabriel. Gabriel, c'est l'ange qui est responsable de la communication, qui pour porter message à lui. Et où gagne l'ange Michael, qui c'est l'ange chef de l'armée de l'Éternel. Nous changer, le Daniel t'est prié. L'ange Gabriel a venu pour tes réponses là-bas, Daniel. Qui s'est passé? Diable a barré l'ange la gouma avec elle. Laisse à qui est-ce qui vient paraître pour éliminer Diable? Ange Michael. En prière, c'est pour dire Seigneur, mais même moi dans chambre dans sous genou. Moi dans l'église là, ou dit ou bam passer m'pa ouais porte là. Pendant ma prière là, Seigneur, voyez ange Gabriel al parler avec vous pour moi. Parce que Josué pas te connaît s'il t'a remplacé Moïse. C'est bon Dieu qu'al parler à Moïse, il dit qu'on nèg qui relait Josué. C'est pas Josué qui t'a dit Moïse et moi qui parle en passant, mais c'est bon Dieu qui t'a parlé à Moïse. Gardez, dit bon Dieu pour la déposer, c'est vous au côté. Pour l'ange Gabriel, elle parlait de vous. Et si diable t'a campé devant l'ange Gabriel, dit Seigneur, voyez ange Michael, crasez tête diable là. Parce que sa bouche dit la privée dans la vie. Que bon Dieu bénisse.